Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Bienvenue dans votre média Infomédia, le média qui vous donne les actualités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, c'est la panique générale du côté de la Pologne. Oui, la Pologne est prise de peur en ce moment où nous vous parlons, parce que la Fédération de Russie, durant ces dernières 72 heures, est en train de mener des actions sur le territoire ukrainien au point où les Polonais sont inquiets. Oui, la défense polonaise est mise en alerte maximale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais ce que la Pologne a fait aujourd'hui, en ce jour du 4 septembre 2024, va vous étonner. Ah oui, parce que Poutine, la Russie, vient de montrer ce qu'il cachait depuis aux yeux du monde. Les poids lourds, les pluies aériennes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Pologne? Pourquoi la Pologne panique-t-elle? Pourquoi le peuple polonais sont-ils, voilà, dans une inquiétude vraiment à un niveau très élevé? C'est dans tout ce cadre que nous allons développer et décortiquer dans cette vidéoconférence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rassurez-vous et portez-vous volontiers de vous acquitter à vos droits de contribution à nos différentes vidéoconférences. Nous animons des vidéos à vous aussi de faire votre part de participation en les protégeant au maximum avec beaucoup de j'aime et de cœur. Et n'oubliez pas que nous sommes en jet de communication. Un gigantesque conflit de communication règne présentement entre les panafricains du monde et le bloc occidental. Voilà qui ne cesse de cibler nos pages. Alors, pour défendre notre page, sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et partager la vidéo massivement comme vous pouvez. Versez la vidéo partout dans tous les groupes où que vous soyez connectés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de la Pologne? Avant de continuer, une alerte a été signalée sur le territoire polonais. Les raïdes polonaises ont déclenché l'alarme. Poutine exerce des actions sur le territoire ukrainien, mais comme Lviv est une zone proche de la Pologne, c'est à l'ouest occidental de l'Ukraine, vous comprenez? Alors c'est une zone presque frontalière à la Pologne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Pologne a dépêché de l'armata de combat. Oui, ils ont dépêché l'armata de combat pour aller voir ce qui se passe. Mais avant de continuer dans les profondeurs et dans les décortiquages de cette vidéo, s'il vous plaît, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer tout droit dans les décortiquages et les analyses. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? La Pologne envoie des avions de combat en raison d'une attaque nocturne accrue contre les cibles en Ukraine. Ah oui, la Russie est passée à la vitesse supérieure. Tellement l'affaire était chaude, tellement le rythme était très élevé. Les autorités polonaises ne pouvaient pas s'en passer. Vous comprenez? Alors, le commandement opérationnel des forces armées de la République a déclaré que les avions avaient été décollés pour la deuxième fois. Il faut le dire, c'est la deuxième fois du genre. La première fois, c'était lors de l'attaque de Poltava, où ils ont dépêché leur avion. Présentement, c'est sur Lviv. Donc, les avions ont été décollés pour la deuxième fois en une semaine, prétendument en raison des actions de la Fédération de la Russie en Ukraine. Voilà ce qu'ils disent. Ils ont dépêché les avions de combat. Oui, parce qu'ils ne savaient pas si Poutine a commencé à les attaquer, là-bas sur leur territoire. Donc, tellement la peur a envahi le bloc des alliés parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui contre la Fédération de Russie, mais Poutine risquerait de leur faire une grosse surprise. Mais est-ce que c'est cette surprise que Poutine a lancée sur eux? C'est là que tout le monde paniquait. Écoutez, c'est une autre nuit très chargée pour l'ensemble du système de défense aérienne polonaise en raison de l'activité de l'aviation russe à long rayon d'action, qui frappe des cibles situées notamment sur le territoire occidental de l'Ukraine, indique le message. Alors, la Pologne a également déployé des avions de combat le 2 septembre au milieu des frappes des forces armées russes. Vous comprenez? Donc, c'est la deuxième fois successive en une semaine.
Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, pourquoi la Pologne panique? Pourquoi la Pologne est agitée? Nous voyons, vous-même vous le savez, la Pologne est une base arrière de l'Ukraine. Vous comprenez? Alors, eux-mêmes le savent que la Fédération de Russie pourrait leur faire une surprise et une grosse surprise. Alors, c'est pourquoi ils sont inquiets. Ils sont en train de paniquer. Oui, parce qu'eux-mêmes sont en train de découvrir les nouvelles charges d'armement que la Fédération de Russie est en train de déposer sur certaines localités en Ukraine, où ils sont en train de cibler des zones militaires, des infrastructures militaires et tout ce qui va avec, tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est pourquoi la Pologne est en train de paniquer. Parce que ce que Poutine fait sortir ces derniers temps, non, plus rien ne va. Tellement la situation est très élevée au point où même l'OTAN sont en train de causer, ils sont en train de vouloir mettre sur pied ici une force de déploiement, de sauvetage, donc pour cibler les missiles de la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien. Cette affaire est en cours. Je vais animer une vidéoconférence là-dessus. Oui, mesdames et demoiselles et messieurs, il y a une grosse peur qui est installée. Alors, est-ce que la Pologne va entrer en conflit contre la Fédération de Russie? On se pose bien des questions. Pendant ce temps, Vladimir Poutine avait mis ses lignes rouges. Aucun pays de l'OTAN ne doit entrer pour dévier les missiles russes sur le territoire ukrainien. Voilà ce que la Russie avait dit. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Mesdames et demoiselles et messieurs, cette situation géopolitique commence à être très intéressante. C'est maintenant même que ça commence. Vous comprenez? Alors, par rapport à cette situation, les autorités polonaises se sont plaintes au niveau de l'OTAN, parce qu'ils font partie de l'OTAN. Ils se sont plaints qu'il faut qu'ils doivent agir sur ce conflit russo-ukrainien. Une demande même d'ailleurs que Washington a vu comme très dangereuse parce qu'ils savent les lignes rouges de la Fédération de Russie. Mais cette décision est sur leur table. Alors, est-ce qu'ils vont valider cette décision? Est-ce que les Polonais ou bien l'Union européenne et l'OTAN vont s'engager dans cette affaire pour soutenir Kiev à détruire ici les missiles russes qui survolent son territoire? La question reste posée. Mesdames et demoiselles et messieurs, face à cette situation, les Russes sont assis au calamar. Ils observent, mais ils attendent à ce que l'OTAN puisse entrer dans ce conflit. Et c'est là donc la réelle chose va se passer. Ce que le monde craignait risquerait de se passer en ce moment. Mesdames et demoiselles et messieurs, je ne vais pas être très long dans cette vidéoconférence. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Continuez de partager la vidéoconférence surtout au maximum. N'hésitez pas de laisser beaucoup de j'aime et de cœur. Surtout, activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.